Ok, j'ai décidé d'écrire une lettre de mise en demeure aux commerçants. Donc, je me suis fiée sur un modèle sur le site de Justice Québec et j'ai mis toutes mes demandes par écrit. Avec tout ce qui s'est passé avec mon vélo, je peux plus faire confiance. Donc, en échange du vélo, j'exige aux commerçants qu'ils me remboursent tous les frais de départ et tout ce que j'ai payé pour les réparations. Dans ma lettre, j'explique aussi tout ce qui s'est passé depuis que j'ai acheté le vélo et je me suis fiée à la loi pour parler des garanties légales. Finalement, je termine ma lettre en disant au commerçant qu'il a 10 jours pour me rembourser, sinon je vais le poursuivre en justice. Sauf que là, je suis un peu embêtée parce que les 10 jours sont passés puis j'ai toujours rien reçu. Donc, je suis un peu découragée, je sais pas quoi faire. Est-ce que je laisse tout tomber ou je poursuis vraiment le commerçant en justice?